Bonjour, bienvenue. Aujourd'hui, salade de pâtes pour accompagner vos grillades. Une recette simple, facile et délicieuse. À la fin de la recette, vous trouverez la liste des ingrédients et du temps pour noter. C'est parti! Je commence par faire chauffer de l'eau avec une pincée de sel pour cuire les pâtes. Je mets à cuire les pâtes selon le temps de cuisson indiqué sur le paquet. Une fois cuites, je les égoutte et les refroidis à l'eau froide. Pendant ce temps, je vais faire ma mayonnaise, que je mets au frais une fois terminé. Je coupe en morceaux les saucisses de Francfort. Je coupe en demi les tomates cerises. Et je coupe en rondelles les cornichons. Je monte ma sauce à salade en mélangeant avec la mayonnaise, la moutarde, les épices à salade, sel, vinaigre de framboise, huile d'olive, poivre, et crème fraîche liquide entière. Je mélange le tout et je mets au frais. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire et de nous dire depuis quel pays vous nous regardez. Vous pouvez la mettre en bouteille et la conserver au frigo facilement quelques jours. Pour finir, je mélange toutes les garnitures. La saucisse de Francfort, la feta, les tomates et les cornichons que je mélange avec les pâtes. Ajoutez la sauce sur les pâtes avant de servir, pour éviter que les pâtes n'absorbent toute la sauce. Alors voilà, la recette est maintenant terminée, il n'y a plus qu'à déguster. Avec une bonne grillade, ce sera parfait. Si la recette vous a plu, merci de me laisser un like. Et si ce n'est pas encore fait, je vous invite à nous rejoindre en vous abonnant, c'est totalement gratuit, pour recevoir les prochaines recettes. Je vous laisse maintenant avec la liste des ingrédients. Merci beaucoup de m'avoir suivi et à très bientôt.